Une Camerounaise plaisantine. Une Camerounaise en carton. Une Camerounaise que son pays n'a pas pu la valoriser. Oui. Une Camerounaise qui est belle, mais belle pour, son piment. Parce que sa beauté, là, au Cameroun, même, on n'a pas vu. Il a fallu qu'un Congolais quitte là-bas, venir faire un stage de mariage avec... Ben, mariage qu'ils ont fait, là. Ça, c'est stage. Ici, en France, là, il y a des stages qu'on fait pour classer les dossiers, là. Quand on te prend peut-être dans comment on appelle ça, dans une préfecture ou bien dans un bureau. Attends, toi tu me sers trop, hein. Voilà. Dans une préfecture ou bien dans un bureau, tu fais une formation pour aller classer les dossiers. C'est de 4 mois à 6 mois cette formation-là pour classer les dossiers. Oui. En Côte d'Ivoire, Il y a la formation de 6 mois pour balayer les rues. Pour travailler à la mairie, pour balayer les rues, là. C'est 6 mois de formation. En France, ici, là, si tu veux aller classer les dossiers dans les bureaux et tout, c'est 6 mois. D'où cette Camerounaise, là, fait un 6 mois de mariage. Un mariage difficile de comprendre. Oui, on dirait que c'était la danse du combien de chez nous, les Baoulés, là. Chez nous, les Baoulés, tous les 6 mois, on danse combien? Un mariage digne d'une fête de combien? Un mariage digne d'une fête de combien? Un mariage où elle-même elle s'est mariée. Parce que c'est elle qui a dépensé dans le mariage. Un mariage où c'est elle-même qui s'est mariée. C'est elle-même qui s'est dotée. C'est elle-même qui s'est fiancée. C'est elle-même qui a dit oui, qui a répondu, qui a dit non, qui a signé. Parce que le signeur, là, il ne se reconnaît pas. Le signeur a fait le redoubou à l'heure, il est commis voyageur. On peut se marier à un mari, et puis on ne sait pas où le mari est. Toi-même, tu ne sais pas où ton mari est. Toi-même, tu vas venir t'asseoir pour dire que la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas, la maman. Le monsieur, quand tu as marié, là, il t'appartient. Est-ce que c'est pour toi? Parce qu'on ne dirait pas que c'est pour toi. Hein? On peut se marier comme ça, dans le pays où nous sommes là, dans le monde mondial. Oui, intermondial que nous sommes là. On peut se marier. Et le mari, là, on est un faiseur de l'ordre. On tourne ici le mari, là, au Tchad. On tourne ici là, à Niamey. C'est-à-dire que son épouse, même qu'il allait marier, là, elle ne sait même pas vers où il est. C'est sur les réseaux sociaux. Elle voit comme nous. Toi, tu vas parler d'un pays. Un pays qui t'a donné un nom. Oui. Dans ton pays au Cameroun, là-bas, là, quand on a entendu parler de toi, on dit que tu es une prostitute. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est les Camerounais. Quand tu as un binda avec Eto, avec son frère, avec son grand-père, avec son... C'est comme ça qu'on vous a connu. On vous a connu, vous étiez deux, mais l'autre, là, comme on n'a pas encore parlé, je ne vais pas la mettre dedans. On vous a connu dans la nudité pour dire que ces filles-là, elles ont couché deux frères. On vous a connu dans l'affaire de vente de piments. On vous a pas connu en tant que hey, c'est des actrices, c'est des tantantants, c'est des filles à papa. Non. On dit c'est des vendeuses de piments en football. Que partout il y a la livraison, elle dépose le nien. C'est comme ça, nous tous, on a su ça, on a regardé. D'où un grand footballeur international de votre pays où vous dites que nous, notre grand-mère, à marier ça. Mais si vous n'arrivez pas à changer les couches de vos enfants que vous avez là-bas, nous les Ivoiriens venir changer leurs couches. Et puis vous pensez que quand on vient changer les couches, c'est gratuit quoi. On va venir changer les couches de vos nouveaux-nés qui sont dans vos pays. Les Camerounais, les visages du. Il y a vos gardiens là, mais vous dites qu'il a 28 ans. 28 ans même à assis par terre. Non, il a quel âge? Mais 26 ans. Toi, tu me serres. Hein? Parce que où je vais les parler là? C'est ça, t'as me serrer là. Je me peigne. Caca de med, prends ton tabouret. J'ai peigné mes cheveux, j'ai déposé le peigne. J'ai dit, c'est comme ça qu'on t'a connu. On t'a connu en tant qu'une vendeuse de piments. On n'a pas connu pour dire que ah, la fille, elle a eu un diplôme. Ah, la fille, elle tant. Dans le pays, on dit que c'est une fille qui a couché avec le grand frère et le petit frère. En mode plon-plon-nous.
On a connu vos nièces, vos différentes couleurs de nièces sur Internet ici, jusqu'à justice est sortie dedans. Jusqu'à d'autres même sont devenus écrivains. C'est comme ça on a dit. Et quand vous avez fini de faire votre tour de vente de piments, tu as regardé notre actrice. Oui, Emma Lewis. Emma Lewis, elle est connue en tant qu'une actrice. Elle a des diplômes. Elle a pris son diplôme là. En Chine, j'ai toussé. Elle a pris son diplôme là. Camerounais qui dit que ma mère, qu'on a toi-même ton barbier. Il bam sauf à fort. Il joukeni. Je suis sur mon direct, certains ne parlent. Tu vas venir m'insulter. Je vais t'insulter jusqu'à où on met welcome for Cameroun. Welcome dans poussière. On peut avoir un combo poussière comme ça en plein doigt là. Tu veux qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? J'arrive pour vous. Partageons le direct. Ne vous occupez même pas des têtes de mort là. Je vais vous faire ça propre. Je dis, je n'ai pas affaire à tous les Camerounais. J'ai affaire à une seule prostituée au Cameroun. C'est comme ça qu'on t'a connu, caca de meds. Quand on a fait des niens, couleur de niens ici, couleur de niens ceci, couleur de niens, on a tout vu ici. Et éteint. C'est comme ça que tu es venu. Notre Emma Lewis. Actrice avec un diplôme. On n'a pas encore vu son nien et papier. On sait que oui, mais on n'a pas encore vu comme pour vous qui était éparpillé de partout, non. On n'a pas encore vu pour Emma comme ça. Tu es venu l'insulter. Tu es quitté là-bas. Tu es allé insulter Diabasora. Parce que tu étais en manque de visibilité. Ton premier nom qui te donne peur à son âme aujourd'hui, c'est son anniversaire, Didier Arafat. À cause d'affaires de Côte d'Ivoire. À cause d'affaires de ballons. Même souhaiter joyeux anniversaire à Arafat, tu n'as pas fait. Parce que tu es mauvaise foncièrement. Ton visage qui est coincé dans ton gars mongoose qui est en règle. Qui te connaissait? Mettez les cœurs. Qui te connaissait? Non. Mettez les cœurs. Il dit, ça là, attends. Je vais desserrer ça. Je n'aime pas ça, mais de cette façon là. J'arrive, 2 minutes, attends. Parce que vous pensez que c'est vous qui avez Dieu. Et il va aller papa, vous pensez que c'est vous qui avez Dieu. J'arrive là-bas. La même. Cette métier est même pas bien. J'ai dit, je suis allée desserrer un peu. Je suis là. Bataille le direct, je suis là. Donc, je disais, partagez le direct. Vous n'avez pas honte. Vous allez venir mettre votre drapeau de merde là ici. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec? Allez, mettre ça sur direct. Vous n'avez pas de blogueur pour vous défendre. N'importe quoi. N'importe quoi. Je continue. Et c'est comme ça que tu es venu clasher Emma. Mais avant Emma, ton nom biscuit de mer où tu es fier pour porter. Et puis tu mets sur tous tes réseaux là. C'est Arafat qui t'a donné ce nom. Dans ton pays, on t'a déjà valorisé. Ton pays là, t'as déjà valorisé. Est-ce que ton pays t'a déjà valorisé? Non. C'est en Côte d'Ivoire. Tu as eu le nom que tu as aujourd'hui, biscuit de mer. C'est les Ivoiriens qui t'ont valorisé. Ton premier spot que tu as pris,
c'était avec Arafat. Le deuxième spot, c'est avec Force One. Coco Emilia. Biscuit, c'est le seul spot d'ailleurs. Sors-nous un Camerounais qui chante ton nom comme Ivoirien t'a valorisé. Mouf, dans ton pays, il y a télé-réalité. Il y a télé-réalité dans ton pays. Fabrice Saognon t'a pris ici. Fais la paix avec Emma, t'a envoyé pour faire les lifeuses. N'importe quoi. Toi, tu vas t'asseoir pour parler des Ivoiriens. Toi, tu vas t'asseoir pour dire que notre pays ne nous appartient pas. Mouf! Ma chérie, toi-même, tes seins qui sont là, tes seins où tu pourrais pas attacher enfant au dos là. Tes seins qui arrivaient sur ton genou, tu pourrais pas pour attacher enfant au dos là. Ça t'appartenait? Ça t'appartient? Seins que tu as devant toi là, c'est pour toi? Tu n'es pas allé couper aussi pour jeter, pour prendre silicone, pour mettre dedans, pour arrondir ça? Le sein qui est dans ta poitrine, les fesses là, va enlever le silicone des gens là, tu vas aller les donner en Turquie là-bas. Et puis on en parle. D'accord? Va enlever le silicone qui est dans tes seins là, avant de venir dire qu'un pays ne nous appartient pas. Tu as compris? Ton mari qui est devenu commis voyageur dans ta main là, faut pas chercher à chaîne, tu vois, attacher son, ses pieds avec ton lit, il va te rendre compte. Ta frustration, ton mariage qui a fait 6 mois, on dirait, formation de classe, de rangeur de bureau là. Tu vas venir t'asseoir pour dire, à cause de quoi, ballon? À cause de ballon, tu vas venir manquer de respect à un pays qui t'a valorisé? Non. Merde, Camerounais a déjà valorisé qui? Quand Georgette, quand Eto connaissait Georgette là, Georgette avait déjà. Il était pauvre. Hey, Georgette, c'est une intellectuelle. C'est pas une vendeuse de piment. Il sait pourquoi elle est toujours là. D'accord? Ernie Zinon là, que vous allez venir prendre pour dire ténor là. Ernie Zinon là, c'est une intellectuelle. Et puis elle est notre star. Elle a déjà ses abonnés. Avant que ténor va venir gratter dans ta aile. Toi qui? Toi tu es qui? Tu as déjà fait quoi? Camerounais a déjà fait quoi pour Ivoirien? Dites-nous. Toi une plaisantine comme ça? Toi qu'on mougou facilement comme ça, comme Nomi et puis Bagala. C'est toi qui as venu t'asseoir et puis traiter la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, mettez les cœurs. Hein. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. C'est ça votre affaire là. C'est ça votre affaire qui m'énerve chez vous là aussi. Mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs. Que ton pays appartient au Cameroun, aux Français. Ma chérie, tu n'as pas eu visa des Français là pour aller en France, pour aller faire enfant. C'est au Maroc. Ton pays t'appartient, tu vas accoucher au Maroc. Ton pays t'appartient là. C'est pas au Maroc que tu allais accoucher. Fallait accoucher dans ton pays. Jusqu'à aujourd'hui, tu cherches visa de France. Tu as assis par terre là-bas, sur le terrain dans ton pays là-bas. Hein? Un Congolais est venu te mettre bim. Il enlevait dans tes yeux. Oui. Et puis il a peint. C'est de ça qu'il s'agit. Un Congolais est quitté. Toi qui es trop arrivé là. Venir enlever dans tes yeux tellement tu as affamé du mariage. Tellement tu es en quête de mariage. Tu connais même pas la personne. En moins de 3-4 mois, Bourou, c'est mon mari. Il va me marier pour la vie. Pour la vie. Nyané. Faites de combien tu as fait puis tu appelles ça mariage là. C'est pas les Ivoiriens qui sont allés te soutenir. Il y avait qu'un bon Camerounais là-bas, je vais savoir. C'est pas les Ivoiriens qui ont payé les billets d'avion. Qui se sont déplacés, Bedel, MLOS, Ozoa, et puis tout, tous les vrais Ivoiriens, David Monceau, Koloa, se sont déplacés pour aller te célébrer, te rendre grande dans ton pays qui t'appartient là. Maria, ton visage était serré, on dirait, singe à chier dessus là. On en parle. Tu viens toujours en Côte d'Ivoire. On te reçoit. Regardez-moi cette idiote là.
Avant de t'asseoir pour dire que votre pays ne vous appartient pas. Vos conneries vous faites sur Internet là. C'est pas à cause de ballon que tu as venu manquer de respect à un pays. Tu m'as entendu? Comme tu n'as pas d'éducation. Comme tu n'as pas d'éducation. Tu peux placer ton téléphone dans l'affaire de ballon, non, tous sont pâles. Même Aboutou, il est sorti, il a dit quoi de mal? Makosou est sorti, il a dit quoi de mal? Ils ont juste dit que la CAF, la FIF. Mais c'est tout. Tu les as vu venir parler de votre pays. Venir dire que votre pays est ceci, votre pays est cela. Ils se sont limités sur ballon. Oui, c'est le football. Si vous ne pouvez pas jouer là, si vous ne connaissez pas le jeu, fermez là. Ils ont parlé que du foot. Moi-même là, à Poutou là, j'ai un problème avec lui. Tous les jours ici là, il vient m'asseoir, je le clash. Mais son direct qu'il a fait là, il n'est pas rentré au fin fond de votre politique pour que tu viennes t'asseoir pour dire votre pays qui ne vous appartient pas. Tu avais beaucoup à dire dans ton cœur. Hein? Tu as beaucoup à dire dans ton cœur. Ça dit que tu ris avec nous, mais tu nous détestes. Donc quand tu prends ton avion, tu vas en Côte d'Ivoire là. Tu viens, tu fais comme si tu aimes le pays. Et puis quand tu arrives chez toi à la maison, tu te moques du pays là. Et les pays qui ne les appartient pas là. Pour toi, t'appartiens là. On t'a déjà valorisé quelque part. C'est nous, on t'a donné nom. Si aujourd'hui le Cameroun te valorise, c'est grâce à nous. Qui connaît ta valeur? Les Camerounais t'ont léché ici. Oui, tes parents Camerounais là t'ont léché ici. T'ont traité de vendeuse de piment. On vous a refoulé dans le pays. Il y a eu nous les Ivoiriens qui sommes venus défendre Nathalie Kouroi et puis te défendre. Tu ne sais pas faire la part des choses, idiotes. Tu penses que Emma Loas n'a pas bouche pour parler? Tu penses que José n'a pas bouche pour parler? Tu penses que nos grands influenceurs n'ont pas bouche pour parler? Mais c'est parce qu'on sait que quand on se suit là, on devient un personnage public là, il n'y a pas que ton pays qui te suit. Aujourd'hui, il y a des Camerounais qui sont au-dessus de moi, je n'en ai rien à foutre. Parce que quand votre saleté là s'assoit et puis elle traite notre pays là, vous ne sortez pas pour lui dire non. Même si Aboutou il a parlé là, Aboutou a parlé du... Il y a une autre là même qui est sortie là-bas. On dirait ça s'appelle étoile ou bien quoi là. Bah, quitte, on dirait carreau de sucre. On dirait la vallée, une plaquette de carreau de sucre. Son visage est coincé comme ça dans son visage. On dirait un mangousse orphelin. Quoi étoile là? Elle s'est assise hier, traité les Ivoiriens. Mais toute l'Afrique a parlé dans cette histoire, ce n'est pas les Ivoiriens seulement. Pourquoi c'est ce que nous vous acharnez? Les gens sont sortis pour dire que c'est que la FIFA a fait là. Ce n'est pas bon. Tout le monde a parlé. Togolais a parlé. Gabonais a parlé. Et tout le monde. Mais c'est nous là. Oui, parce que c'est nous, on vous reçoit chez nous. Parce que c'est nous, on est bête pour vous donner. C'est pour ça que vous allez venir nous asseoir. C'est pour ça que vous allez venir vous asseoir. Nous là, vous dites que nous, on est, nous c'est les vieux là. Nos vieux enfants ici là, ils vont se marier avec les jeunes. Mais nous, nos vieux, les vieilles femmes d'ici qui vont se marier là, ça va dans 30 ans de mariage, hein. Quand nous, on va se marier, ce n'est pas pour 6 mois. Hein? On est vieille et puis on va changer couche de vos enfants qui sont là-bas. Vos enfants qui ont fondu leur âge là. Mm-hmm. On va changer leur couche. C'est que vous ne pouvez pas faire. Parce que vous n'avez pas tant de ça. Vous n'avez pas tant de marier vos enfants là. Vous n'avez pas tant de les doloter. Vous n'avez pas tant de leur donner de l'amour. Le temps que vous avez, c'est de vendre le piment. C'est de boire jusqu'à pisser sur vous en direct. On en parle? Non. On en parle? Le temps que vous avez, vous n'avez pas le temps pour marier vos enfants. Hein? Vous avez le temps de boire la grosse bière, avoir des ventes ballonnées devant vous, vous avez avalé 70 coussins. Vous êtes jeune et puis votre ventre est en balade avec vous. On en parle? Nous, on n'a pas le temps de ça. Pendant que vous êtes en train de boire les grosses bières et venir mettre caméra pour pisser, chier sur vous en direct là. Nous, on a le temps pour fonder un foyer, pour changer couche de vos enfants là. Parce que quand on fait un enfant là, on ne l'abandonne pas orphelin. Vos enfants qui sont dans vos pays là, quand nous on s'en va marier, c'est les orphelins qu'on va prendre pour être eux.
Parce que si eux-mêmes, vous êtes en vie, mais on dirait que vous êtes décédé. Vous préférez aller dans un autre pays, prendre un autre gars. Il va venir vous marier dans votre pays. Vous-même, vous allez financer la dot. Vous-même, vous allez payer la dot. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on ne marie pas. Nous, c'est nous, on marie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as vu Ténor ce qu'il a fait avec Eunice là. Tu as vu, toi, on a fait ça pour toi. Plaisantine. La fille qui s'est dotée elle-même. Un homme qui vient te marier. Un parent même, il n'a pas. C'est ses camarades, ses vieilles mères qui viennent au mariage. Son parent est où? Même un de ses enfants, on ne l'a pas vu au mariage. Tu connais ses enfants, tu les as déjà vus. Tu connais son père, tu connais sa maman. Hein? Il y a des moines plaisantines en plastique. Votre pays ne vous appartient pas. Et voilà le silicone qui est dans tes seins. Tu enlèves dans tes fesses, là, tu donnes ça aux gens là-bas. Il faut aller de même, ça ne t'appartient pas. On peut avoir un pays qui l'appartient. C'est-à-dire que moi, mon pays m'appartient, même je vais accoucher au Maroc. Pourquoi? Je ne vais pas accoucher dans mon pays qui m'appartient là. Hein? N'importe quoi. C'est les Ivoiriens qui t'ont donné non. C'est pour ça que tu as venu t'asseoir pour manquer de respect aux Ivoiriens. Idiot, tu ne sais pas faire la part des choses. Tu ne connais pas le football. Tu ne sais pas que le football, on peut se taquiner. On peut se taquiner, mais pas aller, parce que c'est ta pensée. C'est ce que tu penses là, que tu as sorti dans ta bouche. Sinon, pourquoi dire ça? Votre pays ne vous appartient pas. C'est arrivé là-bas. Vous avez 170 étoiles sur votre maillot là. On vous a demandé quelque chose. Nous, on a deux. Mais avec notre deux là, vous quittez là-bas vos étoiles, et puis c'est chez nous, vous venez prendre femme. Vous quittez vos étoiles, c'est chez nous, venez chez Sports. Oui. Dans vous-même, votre pays, vous n'avez pas de musique pour danser. On en parle. Tout, même vos femmes chanteuses là, tout ce qu'elles savent chanter, c'est le sexe. C'est le sexe. Il y a pas, tu vas pas écouter une chanteuse camerounaise. Si tu ne parles pas du sexe, le sexe tous les jours, le sexe tous les jours, le piment tous les jours, le sexe. Même les garçons là sont rentrés aussi dans l'affaire des pines. C'est pine con. C'est ce que vous savez chanter. Il faut respecter les Ivoiriens, caca de Meds. Nous, on n'est pas les Maliens, on n'est pas Diabassora. On peut t'aimer. Et puis le jour où tu te fous de nous, on te met ça bien au profond. Parce que ton mariage là, oui, ceux qui ont assisté à ton mariage, ton mariage de formation de rangeuse, rangeur de tiroirs là, mariage, tu allais faire 6 mois et puis on ne sait même pas où le mariage est là. Le mari même, on ne sait même pas où il est. On peut se marier puis on ne sait pas. C'est sur internet, nous tous on voit que le mari voyage. Hein. Poisseuse. Il faut aller parler à ton mari. Lui-même, il est en train de supporter les Comoriens, non? Lui que tu as marié là, il n'est pas en train de supporter les Comoriens. Il est en train de supporter les Comoriens. Vous êtes trop yeux rentrés sur les Ivoiriens, c'est quoi? Les Gabonais aussi parlent. Les Gabonais parlent. Même Zidane, il a parlé. Même Zidane a parlé. Pourquoi vous ne partez pas vous plaindre? Toute l'Afrique a parlé dans cette histoire. Maintenant, pourquoi c'est sur les Ivoiriens vous acharnez? On a aussi notre mot à dire. On vous a demandé de nous soutenir. On a appelé les Camerounais pour nous soutenir. Nous-mêmes là, nos éléphants, on les connaît. Ils gagnent, ils ne gagnent pas. Nous, on est dans le show. Nous, on est dans le fouca-fouca, on est dans le vuvuzela. C'est la joie seulement. Si on a eu la joie en pain. C'est pas comme vous qui êtes accroché à ça comme ça. Et puis, vous ne foutez rien de bon avec. Un stade comme champ de manioc. Vous avez pris tout l'un de la FIF là pour aller faire un stade de champ de manioc. Je ne sais pas si vous êtes là-bas parce que c'est un stade pour gérer le busy. Vous battez Mougou sur le terrain là après. On en parle. C'est un truc qui choque l'Afrique. Moi-même, Comorien, là, je n'ai jamais entendu parler d'eux. Si ce n'est pas dans l'affaire des ballons, je ne sais même pas qu'il y a un pays qui s'appelle Comorien. Je ne sais pas. C'est avant, on m'a dit que Soprano est Comorien. Moi, je n'ai pas l'État somalien. Comor, là, c'est dans l'affaire de football. J'entends souvent les noms. Je ne connais pas.
Moi, le pays que je connais, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Après, les autres, je les ai découverts. Je connais ma Côte d'Ivoire. C'est là-bas que je suis née. Il n'y en a qu'à connaître quel pays plus que truc. On dit qu'il faut aller voir la carte d'Afrique pour t'instruire de quoi. Je suis née dans la carte d'Afrique. Je suis née en Côte d'Ivoire. Après, j'ai grandi, je connais, je vais dans les pays, mais c'est mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas aller connaître un autre pays puisque ma Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Vous avez compris? Dans vos manques de respect, là, arrêtez. Parce que quand vous commencez là, vous n'avez pas la bouche que nous. Camerounais, vous n'avez pas la bouche que nous. De toute façon, vous êtes sauvages là. C'est qu'on est plus sauvage que vous. Vous n'avez pas de grand star. Je vous cite Alpha Blondy. Je vous cite Didier Drogba. Je vous cite. Comment elle s'appelle? Chicken Jack. Je n'ai qu'à vous citer encore Magic System. De vous citer encore DJ Arafat. Hein? De vous citer encore VG Dream. On parle de quoi? De quelle chose? De vous citer encore José. Je vous cite encore Emma Loès. Hein? On a les plus belles Miss. Une Miss camerounaise est déjà partie en Miss Monde. On a Olivia Yassé. Tellement elle a traumatisé les gens à Miss Monde là-bas. Ils ont mis Corona aussi là-bas. On en parle. Hein? C'est que si je veux citer là, il ne quitte pas ici. Celui qui vous donnait à manger. Oui, Aïcha connaît. Celui qui vous donnait à manger, fait Ahmed Bakayoko. Il a servi toute l'Afrique, vous savez. La vendeuse de piment, de caca, de merde, là. Elle se transférait tous les jours pour venir faire vendre son piment. On en parle? On en parle? On en parle? Mais là, si on a laissé les blogueurs, là. Citez vos blogueurs, citez pour nous. Oui. Si on va sur les blogueurs connus, Général Makosso, Lolo Beauté, Apuchou, Aya Robert, citez vos blogueurs. Citez vos blogueurs en voix. Citez. Même je vais encore citer, même si, Eka, je cite encore. Vous allez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? Yves Dero, Yaka Yaka de Paris. L'unique. On n'est connu que vous. Vous avez compris? Si je veux citer, je ne quitte pas ici. Si je veux citer la célébrité qui est en Côte d'Ivoire, je ne quitte pas ici. D'accord? Si je veux citer, je ne quitte pas ici. Des plaisantins comme ça. Regardez-moi des plaisantins comme ça. Vous allez parler, vous parlez à qui? Oui, Gadi Céline, merci beaucoup. Mettez les noms. Venez citer pour vous là. Venez citer pour vous en voix. Je cite encore Vital, je cite, je finis pas de citer. Tellement on a des monuments dans notre pays. Oui, il y a cité de Bordeaux, la voix d'or. Je cite Ariel Chenet, vous avez qui chez vous? Oui, Loli, tout ça. Vous avez qui chez vous? Vous avez qui? C'est chez nous, vous venez prendre des points. D'accord? Même nous-mêmes, les Ivoiriens, on se clash. On se clash entre nous. On s'insulte, mais c'est vous, les Camerounais, là, qui avez introduit la haine entre nous, les blogueurs. Parce qu'ils font profit, c'est vous. Parce que vous faites votre blog dans la haine. Nous, on fait notre blog, là, c'est pas dans la haine. Même celle-là même qui veut m'envoyer au tribunal, là, c'est les Camerounais qui sont en train de monter sa tête. C'est les Camerounais qui sont en train de la pomper. Sinon, nous, là, on s'insulte entre nous. On fait la paix. Et puis, on avance. Nous, on ne sait pas se faire du mal. Oui, on ne sait pas se faire du mal. D'accord? Nous, là, on ne sait pas se faire du mal. Mais vous, les Camerounais, là, tout ce que vous faites, c'est dans la haine. Vous avez nous montré que c'est même en faire des ballons, amusement des ballons qu'on entend les faire là. Vous êtes en train de rentrer dans la haine. Pourtant, nous, là, on est dans Gadgat. Nous, là, on est dans Gadgat. Nous, on est dans amusement. Nous-mêmes, on rit.
Quand on voit les postes, ils vont rire. C'est que vous prenez à cœur parce que vous êtes haineux là. Nous, on ne prend pas ça à cœur. Oui, Seri Dorcas, Mola, tout ça. Afu Keita, oui, merci de mettre les noms. Et tous nos stars là, vous les connaissez, vous. On ne connaît pas pour vous. Votre ténor là, pour lui donner la force, c'est Arafat qui lui a donné la force. Parce qu'il était dans un pays, personne ne le considérait. C'est Arafat qui a découvert son talent. Et puis c'est Enusinon qui lui a donné la force sur les réseaux sociaux. Nous, on n'est pas dans... Didier Drogba. J'ai déjà dit Didier Drogba, non? Richard Bonnard. Oui, j'ai déjà dit Malouas. Mettez les noms. C'est quoi? Amusez-moi, on est en train de faire là. Vous avez changé, commencé à nous insulter. Quand vous dites que votre pays ne vous appartient pas. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit de mal? Pourquoi vous venez, tu viens t'asseoir déverser ta haine, ta frustration d'échouance ou échouance de mariage. Si ton mari là, il t'a marié, qu'il a fui. On n'est pas à la base de ça. Ivoirien, Ivoirien est déjà passé là-bas. Ivoirien a donné 2 enfants. Oui. Une Ivoirienne était déjà là-bas. Et c'est son restant que tu es venu prendre. D'accord? Voilà. Sa fille qu'il aime de tout son cœur, là. La fille de Francis qu'il aime de tout son cœur, là. C'est une Ivoirienne. Et comme elle est belle, sa fille, là. Je n'ai pas envie de mêler les enfants. Mais on voit que sont ses enfants qu'il aime. Les enfants qu'il a fait avec l'Ivoirienne, là. Il veut les mettre dans son ventre. Il veut mettre ses enfants, là, dans son ventre. Tellement il les aime. Si c'est ça qui te doule, là. Nous, on n'a rien à voir dedans. Apparemment, quand il est sur toi en train de te bête, voilà, il pense à Pascaline. Qu'est-ce qu'on a à faire? Vous n'avez pas dit que vous êtes les chefs de vente de piment? Nous, on ne vend pas. Mais quand on s'assoit dessus, là, ça rentre bien. Et puis, c'est chaud, c'est petit, c'est coincé. Oui, c'est pas les larges trucs. Comme le poteau, non. Oui. Tu peux être joli comme un comme, puis garçon vient, il ne reste pas. Il est venu, il n'est pas resté. Il a fait combien d'années? Pascaline ne l'a pas marié. Il a juste doté. Mais ils ont passé combien d'années ensemble? Il n'a pas marié. Oui, il ne l'a pas marié à la mairie. Mais ils sont restés combien d'années ensemble? Ils ont eu 3 enfants. Toi, il est venu te marier avant hier là. 6 mois de stage. De classement, ranger de dossiers. Il a fini là. Il a vu que je veux un enfant, il l'a mis dedans. Il a jamais marié l'Ivoirienne là. Il est parti la doter. Il a fait 3 enfants avec elle. Il est resté dans son foyer là. Jusqu'à aujourd'hui, même quand il était mougou, il pense à elle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas venir déverser ta frustration sur nous. Hein. Tu as compris? Ta frustration, il ne faut pas venir déverser ça sur nous. C'est quoi ta frustration avec Samuel Leto? Quand tu as eu ton problème, hein, Samuel Leto et son frère, tu as voulu déverser sur Emma Loès. Parce que Samuel Leto est avec Georgette Eto. Donc tu es venu t'asseoir insulter Emma Loès. Aujourd'hui, c'est toi qui es venu faire amitié. Tu es sorti. En tout cas, telle est la réalité. Là, c'est pas au Cameroun, c'est passé. C'est passé en Côte d'Ivoire. C'est de ça qui ça. Ça vient. Vous allez toujours vous rallier, ben. D'accord? Il y a quelqu'un qui dit que Emma est mariée. Emma ne veut pas se marier. Elle vous dit ça tous les jours ici. Emma là, elle ne veut pas se marier. D'accord? Si c'est pour aller faire stage de balayage de 6 mois, et puis après se retrouver, puis le mari est porté disparu, il est devenu Djagawa, il est devenu Akwa dans le pays là. Et puis elle ne sait pas où il est là. Si c'est ça là, c'est mieux on s'assoit à la maison. N'importe quoi. On peut manquer de respect à un pays comme ça. Nous, on attache. On attend de s'amuser avec vous. On attend de rigoler avec vous. Vous allez rentrer dans votre haine. C'est nous, on a dit à votre président de ne pas quitter le pays. Vous ne voyez pas pour nous, là. Quand ça chauffe, là, c'est coup d'État. Ça ne chauffe pas. Pays chez nous, là. Ce n'est pas la dictature. Ce n'est pas un royaume. Que votre pays qui appartient au Maroc. Oui, votre pays qui appartient. Si ça doit appartenir, c'est ton problème. Toi-même, tes seins et puis tes fesses, ça n'appartient pas au Maroc. C'est pas au Maroc que tu as mis mes plastiques là-dedans.
C'est pas dans les pays arabes là, tu allais saouler. Va enlever le plastique des Marocains là. Ou bien d'un Turquien là, qui est derrière toi là. Il faut aller enlever, tu vas les donner. Parce que rien ne t'appartient sur toi. Regardez-moi cette plaisantine là. Tu sors d'où? C'est José qui est venu te donner nom ici. Coco, Emilia, biscuit, demande à la chanter ton nom comme ça. Ah, elle a acheté ton nom comme ça? Les tout boys ici, ça va donner ton nom là, elle a acheté ton nom comme ça? N'y a la colère. Ah, ben ta soie, eh, ton visage coincé comme le mangousse en règle. Comme un petit fœtus de mangousse. Pour dire que, n'y a votre pays qui ne vous appartient pas. Toi, ton pays qui t'appartient là. Il n'y a pas d'hôpital là-bas pour accoucher. Et puis, c'est au Maroc, tu vas accoucher. Mouf! On peut être bête comme ça, tes enfantillages à la con là. Grandis, hein, ma chérie, il faut grandir. On ne peut pas. Tu es encore nouveau-né là. Il faut grandir. N'importe quoi. On n'est pas tes amis. Hein. Moi, j'ai des amis camerounais. J'ai des amis camerounais. On s'attache. Même ma maquilleuse là, Chaina, c'est une camerounaise. Je l'attache. Depuis avant-hier, je l'attache. J'ai mis poste tout de la honte. Vous venez en bas, vous m'insultez avec une rage. On ne peut pas s'amuser. On ne peut pas plaisanter. N'importe quoi. Vous êtes pétris, on dirait les gorilles, hein, gorilles, les gorilles bossus là. C'est quoi? Petit amusement, en fait, vous êtes concentré votre paquet pour mettre fait. Fais de sport dedans pour venir vous dire que hein, vous n'avez pas rien que je vois une autre là-bas aussi hein, quelqu'un qui parle un peu qui pisse, qui parle un peu qui pisse, je la vois aussi là-bas en train de parler des Ivoiriens, vous les Ivoiriens, vous les Ivoiriens, vous les Ivoiriens, vous on vous a ramassé pour aller dans votre pays, dans au pays là-bas en tant qu'influenceur, on vous a donné 4 de Boyeradjan, c'est à dire que ceux qui sont. Vous dites que vous êtes influenceur là. Ticket, on vous a donné pour aller au terrain là. C'est ticket de boire dedans. Pendant que les vrais Ivoiriens, quand ils sont vendus, ils sont aux VIP. Vous êtes partis vous battre là-bas comme des sauvages. On vous a ramené en France ici. On vous a mis dans autant pour vous ramener en France. Vous parlez à qui? Quand les Ivoiriens vont au stade là, vous ne devriez pas où ils s'asseyent. Hein? C'est sur Facebook. Vous avez venu vous asseoir pour faire votre ménopause. Quand on est vieille, là, on s'assoit, on réfléchit. Il y a un truc. Vous devez sortir pour dire non. Mais les Ivoiriens, c'est notre famille. Peut-être qu'ils sont en train de rigoler. Oui, c'est Apoutchou a dit, Makosso a dit, il est en train de rigoler et tout et tout. Non, mais nous, c'est attachement. C'est attachement. Vous ne connaissez pas la musique. Desserrez vous pouvez vos visages. Vous êtes trop serrés. Vous, c'est dans votre visage, on fabrique Nivakine ou bien? Hein? C'est dans votre visage, on fabrique Nivakine? Votre visage est serré, 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 desserré un peu, déstressez-vous, wesh. Déstressez-vous, c'est pas la guerre, y a pas, c'est pas guerre mondiale. Tout va bien dans le pays, tout va bien. Desserrez le visage un peu. Peut coincer le visage comme ça, avoir des trucs, desserrez le cœur. Il y a AVC, vous allez vous balader avec ça, vous êtes tout cocoglia, quoi? Desserrez, détendez-vous, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, on est là, on fait de limous avec vous, buvez de l'eau. C'est quoi? Mais quoi? Vous nous asseoir pour insulter les gens, jusqu'à venir parler des pays des gens, mais c'est quoi? Si on parle de la Côte, vous voyez plus le Cameroun, c'est le jouet la nuit, s'il vous plaît. Hé! Hey, calmez-vous, redescendez sur terre. Ici, c'est la terre. Oh, le Cameroun, ici, c'est la terre. C'est juste un match de foot. C'est un jeu. La vie ne s'arrête pas là. Le jeu, là, il doit avoir un gagnant, un perdant. Ce n'est pas accident d'homme. Ce n'est pas accident de route. Hein? Le pays, il n'aura pas, il n'y a pas attentat dans un pays. Non. Ces ballons, ils vont jouer. Un doit perdre, un doit gagner, c'est tout. Après, on s'attache entre nous, on rigole, c'est fini. Parce que c'est seul, le football, c'est ce qui réunit. Que tu sois d'un bord politique, peu importe ce que tu es, le football nous réunit d'un pays. Si tu supportes Paul Biya, d'autres supportent d'autres. Mais avec football, vous êtes Camerounais. Avec football, il n'y a pas fait de Bagbo, il n'y a pas fait d'Alassane, il n'y a pas fait de Soro, il n'y a pas fait de Bédier, il n'y a pas. C'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est la seule chose qui nous met en joie.
Sinon, l'argent des ballons, on ne gagne rien dedans. On dit, ça vient en Côte d'Ivoire, couleur de ça, je n'ai jamais vu. Je suis en train de faire mes placements de produits ici, afin de produits, afin de tout pouvoir manger, afin de ballons, là, 5 francs, ils ne gagnent pas. Donc, détendez-vous. On ne peut pas rigoler, vous. Vous tendez vos nerfs comme ça, mais redescendez sur terre, wesh. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi cette haine-là contre nous? C'est quoi? On vous doit? Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre du monde. Attends, Ben Nadel est revenu dans le pays, je ne sais pas. Il y a quoi? Les Ivoiriens n'ont pas bombe sur eux, c'est quoi? Tout le monde parle, vous vous déchaînez sur nous, c'est quoi? On n'est pas votre merde, on n'est pas votre poubelle, on est gentil. On adore les étrangers. Mais respectez-nous. On vous a rien dit de mal. Où le monde de respect vous a dit? Dit que, à faire de tests de COVID, mais c'est étonnant ce qui se passe. Si on parle, ça ne veut pas dire qu'on vous déteste. C'est petit attachement, c'est tout. Sinon, on sait que ce n'est pas vous qui organisez ça, mais on veut vous attacher, c'est tout. Maintenant, après, si vous ne voulez pas qu'on rigole avec vous, en ce moment, ne venez pas rigoler avec nous. Oui, ne venez pas rigoler avec nous. Ne venez pas rigoler avec nous. Parce que nous, on rigole avec vous. Si vous voulez prendre ça au dernier degré, jusqu'à venir manquer de respect à un pays pour dire que le pays d'autrui ne l'appartient pas, pendant que vous êtes rempli de silicone, vous êtes rempli de bête écologie, pendant que vous n'avez même pas pu tennis, même un an de mariage. Un an de mariage. Toi-même, dans ton pays, on t'a rabaissé, on t'a descendu. La Côte d'Ivoire t'a pris, la Côte d'Ivoire t'a élevé. La Côte d'Ivoire t'a ramassé dans la boue comme c'est, puis la Côte d'Ivoire t'a donné un nom. On t'a valorisé. Et puis aujourd'hui, les Camerounais te regardent. Dis-nous quel Camerounais qui a d'ailleurs valorisé un Ivoirien. Et ton fils, c'est-à-dire que quand il prenait Georgette, elle avait faim. Ou bien, votre ténor, il a dit que quand il prenait, il est venu fiancé, comment elle s'appelle, Elie Zinon, elle a faim. Hein? Il sait qu'elle est vieille, non? Lui, il sait qu'il est jeune, il ne connaît pas les gens de son âge. S'il est venu prendre la vieille, c'est parce qu'il sait que dans la vieille, il y a intelligent. Toi qui es jeune, Francis qui est vieux, là, mais il t'a laissé pour partir, hein? Oui, mais il est resté avec une Ivoirienne pendant des années. Il a fait 3 enfants avec elle. Tu n'as même pas pu tenir. Toi, on t'a marié devant le maire. Oui, je le veux. Oui, je la veux. 6 mois, il est porté disparu dans ta main. Toi, tu as parlé aux gens. Quand on te regarde pour ne pas te parler, on a pitié. Parce que ta vie est difficile de comprendre. Ta vie est compliquée. Oui, ta vie est mélangée comme des chargeurs de Motorola. Oui, ta vie est mélangée. Ta vie en Yuguyaga. Oui, ta vie est comme un schéma de train. Ou bien moi, du tram. Quand on te regarde, on veut juste te donner de la valeur parce qu'on se dit que oui, tu es une belle femme, tu es un peu raffinée. Sinon, il y a quoi d'autre? Raffinée, là même, c'est un plastique. Faut respecter la Côte d'Ivoire. Hein? Voilà. Tes bêtises, là, que tu fais, aide les Camerounais, là. Si tu arrives sur la Côte d'Ivoire, le nom qu'on t'a donné, là, on va te reprendre. C'est puis on te tremper dans la boue. Quand tu as sorti de là comme ça, là, si on te dit de parler d'un pays, tu vas refuser. Je m'en vais regarder le match. Je reviens encore. Oh, viens. Le pays qui ne vous appartient pas, il appartient aux Marocains, ça appartient aux Tchadiens. Ton enfant même qui est dans ta main, là, ça ne t'appartient pas. Marie qui est dans ta main, là, ça ne t'appartient pas. Marie, l'enfant, là, c'est pour les Marocains. L'enfant, là, est né au Maroc, nationalité marocaine. Tu as compris? Marie qui est dans ta main, là, même, là, il ne t'appartient pas parce que tu ne sais pas où il est. Plastique, il y a dans tes seins, là. Non, Lio. Ce qui est dans tes fesses. Non, Lio. Né, tu allais tirer. Faut aller enlever les fers qui est dedans. Et puis, tu viens vers nous, qui sommes naturels, là. Et puis, on va discuter. Tu comprends, non? Voilà. Les amis, soutien aux éléphants. Moi, quand il s'agit de ma patrie, là, si tous les Camerounais qui veulent, donc, à se désabonner de ma page. Parce que vous ne pouvez pas manquer de respect à un pays. Sur prétexte qu'il y a un influenceur qui a parlé. Adressez-vous à cet influenceur-là. L'influenceur qui a parlé là, adressez. Et encore, il est venu vous s'excuser auprès de vous. Il a fait un direct hier, Abdou. Il a fait un direct hier pour s'excuser. Il a dit, désolé, je m'amusais, je voulais vous attacher. Makosso a fait un direct hier pour s'amuser. Mais c'est vous qui ne voulez pas amusement. Non, vous, non, on ne veut pas, mais tuez-vous. Hein? Si vous êtes fâché, 16e étage, les gens m'écartaient. Et puis jetez-vous. On n'en a rien à foutre. Vous n'êtes pas encore fâché. N'importe quoi. À tout à l'heure, on va prendre la victoire et puis on revient. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. En fait, les Camerounais, là, ils ont peur de nous affronter. Ils ne veulent pas nous affronter pour finale. Parce qu'ils savent que finale, là. C'est soit avec eux.
Donc, ils ne veulent pas. Nous, on ne veut pas que vous nous supportez. Nous-mêmes, ne nous supportez pas. Laissez-nous comme ça. Supporter Mazo, c'est nous-mêmes. On supporte, on désupporte, on pleure, on chante, on rit, on est avec eux. Ils vous ont perdu, ils ont gagné, on est avec eux. Nous, ce n'est pas avec la haine. Nous, on a la joie de vivre. C'est vous, les Camerounais, là, qui nous ont, qui ont appris à nos blogueurs là, la haine. Vous êtes des cheftaines de faux profils en train d'activer la haine. Nous, là, laissez-nous comme ça. Même si on s'entre-déchire, il y a des Camerounais qui viennent mettre un commentaire. Tant, 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 tu as des histoires. Je fais les histoires, mes parents ivoiriens. C'est votre problème. C'est votre problème. Je suis dans mon parent, mais peut-être que j'étais ça, vous regardez. Elle est ivoirienne. On va se chicoter, se déchirer, se tirer les clitoris. On prend le pays ensemble. Ce n'est pas votre problème. Et l'autre m'a envoyé au tribunal. Ce n'est pas votre papa ou bien vos mamans qu'on a envoyé là-bas. C'est une ivoirienne qui m'envoie, non. On va aller là-bas, on s'explique en ivoirien. On va finir, on prend la route du pays. C'est votre affaire. Ça vous regarde. Je suis en parlable avec papy tout. C'est ton problème. C'est un ivoirien, c'est une ivoirienne. Ça vous regarde. Occupez-vous de vos vies. Et laissez-nous les Ivoiriens s'occuper de nous. D'accord? Voilà. N'y a de colère. À tout à l'heure, la famille. Bonne chance aux éléphants. Voilà. Si elle veut, on dit qu'elle allait porter un habit d'Égyptien. Si elle veut, là, elle n'a qu'à aller même prendre un habit des comment on les appelle? Les deux, les, comment on les appelle, amis? C'est pas Égyptien, son mari doit porter. Les Algériens, là, il va porter aussi leur habit. Ce qu'on a gagné premièrement aussi, là, prends leur habit et puis porte. Tu es petite dans la tête, enfantin dans le cerveau. Nous, on n'a pas dit qu'on défendait les Comoriens. On les a félicités parce qu'ils ont joué à 10. Ils n'avaient pas de gardien. C'est le joueur, ça fait pitié. Vous n'avez plus ça, pourquoi vous n'avez plus sans sentiment? Et c'est méchant. Les gars, là, ils ont, tous les gardiens ont eu Covid. C'est un joueur qui s'est transformé en gardien. Il était même perdu sur le terrain. Ballon devant lui, il a oublié qu'il était gardien. Il a mis sa main derrière lui. Ça faisait pitié. Ils sont partis d'une compétition. Arrivés là-bas, on dit qu'ils sont testés du Covid. Ils doivent jouer. On prend un joueur pour le mettre en tant que gardien. Il est dans le terrain, il oublie qu'il est, joueur. Il met sa main derrière lui pourtant. Et il oublie qu'il est gardien. Il met sa main derrière lui. C'est quelque chose qui fait pitié. Vous êtes partis là même. Nous, on pensait même que vous allez partir gagner 10-0. Deux merdiques buts. Mais ça fait pitié. Il faut les encourager. Il faut les encourager. Et quand même, ce qu'ils ont fait là, c'est à féliciter. Mais après, qui les a supportés? Ça fait pitié ce qui s'est passé avec eux. Mais regarde notre premier match là. Comment nos gardiens là se blessaient à votre terrain de champ de maïs là? Hein? Mais ça aussi, on ne peut pas critiquer. On a contribué. Nos présidents ont donné l'argent pour ça. Donc, s'il y a franchement que nous avons parlé pion, quand vous avez d'organiser, l'organiser bien. Si ça va pas, on doit parler pion. À part la canne, quand canne va finir, vous allez voir si on va parler dans votre affaire. S'il n'y a pas canne, est-ce qu'on parle dans votre affaire? On parle pas dans votre affaire? Moi-même, quand il y a classe des Camerounais, je ne parle pas de temps. La seule que je parle dans son affaire, c'est Biscuit, là. Celle qui a nous insulté, elle, je parle dans son affaire. Parce que elle, c'est les Ivoiriens l'ont adopté. Les Ivoiriens l'ont adopté. Donc, à cause des Ivoiriens, là, à cause de ces clashs avec les Ivoiriens, je passe. Sinon, là, il y a des buzz qui se passent avec les Camerounais. Je ne mets pas ma bouche tant. Je vais aller dire quoi là-bas. C'est vous tous les jours qui parlez dans notre affaire. Moi, je ne parle pas dans l'affaire des Camerounais. Quand Kana va finir, là, vous allez voir si on va venir parler dans votre affaire. Il y a quoi? On a contribué à la CAN. On peut pas parler. Vous avez pris Cannes là pour venir dire on doit rien dire. On voit quelque chose qui n'est pas bon, on ne peut pas critiquer. Même en France ici, il y a quelque chose qui n'est pas bon, on critique. Même en France ici, là, on critique, c'est où on ne peut pas critiquer. On critique Netflix, on critique Netflix, on critique Netflix, on commence à nous détester. Hey! C'est de rentrer la Cannes en même temps. Arrêtez d'organiser. C'est quoi? Vous allez, en 2013 là, vous serez chez nous. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, vous allez critiquer. On ne peut pas critiquer. Critiquer aussi, là, c'est de nous détester. Dire que c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, là. C'est ce qu'on voit ici en France.
Camerounais français marche. Il est Camerounais. Mais parce qu'il a le droit de marcher, vous êtes qui? C'est vraiment de la dictature dans votre pays. C'est vraiment de la dictature. Il y a un truc qui se passe. On voit. Nous tous, on voit. On a des yeux. Vous faites comme si nos yeux sont cassés. C'est pour vous seulement qui est allumé. On voit, nous tous. C'est pas que la Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique qui se plaint. Mais mettez-vous encore. Mettez-vous dans. Rendez-vous en question. Hein? Quand Fally est parti faire l'ouverture, vos blogueurs ne sont pas levés ici pour se plaindre, pour insulter Fally ou pas, pour insulter les gens pour dire que pourquoi on a pris Fally. Vous avez critiqué ça, non? On vous a donné raison. Quand vous avez critiqué ça là, moi-même j'ai partagé direct de ça là. Parce que j'ai trouvé que vous avez raison, on devait prendre peut-être Lady Ponce, on devait prendre peut-être Mali Bella. Mais quand nous on veut critiquer, vous guindez, vous n'êtes rien. Lyon là c'est juste un nom, vous n'êtes rien, vous pouvez rien créer. Vous pouvez rien fabriquer. Hé, Camerounais, vous ne pouvez rien créer. Tant qu'on croit, jusqu'à quand là va finir là. Jusqu'à quand là va finir, si on voit quelque chose qui ne nous plaît pas, on va dire piaou. Parce que toute l'Afrique a contribué. Ce n'est pas vous qui avez contribué, vous seul. Parce que toute l'Afrique s'en va là-bas. Parce que j'ai mes parents là-bas. Parce que j'ai mes joueurs là-bas. Toi, si je vois quelque chose qui n'est pas bien, je vais parler pion. D'accord? La dictature, là. Hein? C'est pas avec nous. Faites ça dans votre pays là-bas. Faites dans votre pays, votre président qui ne veut pas partir. Puis il fait la dictature dans le pays, là. Juste, il est devenu peuple. Puis il est devenu. C'est pas avec nous. Voilà. Donc, s'il y a un truc qui ne va pas là, on va parler pion. Et si vous êtes fâché, sautez et mordez-vous le cul. Oui. Le cul de Anne. De, comment elle s'appelle? Il s'appelle comment? Annabella. Oui. Représentant camerounais. Le cul. Mordez-vous le cul. On n'en a rien à cirer. Vous comptez pour zéro en Côte d'Ivoire. Sachez-le. Merci bien, puis à notre victoire. Voilà. La méchanceté gratuite. Mouf!